pouvoir vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Tu n'es pas seul, justement. Link. Tu es notre dernier espoir. Eh bien, le bonsoir. D'ailleurs, je vais un peu calmer le jeu avec Zelda maintenant. Je n'ai plus que la fin à faire. Je vais enfin pouvoir baisser la cadence. Monsieur Docteur Nintendo. Vous l'avez saigné. Je suis qu'au début. Mais c'est comme ça que je l'apprécie en fait. Je me rends compte que c'est comme ça que je l'apprécie. Déjà, merci, grâce à toi, j'ai pu le retarder un peu. Je fais que des sessions de 2 heures avec vous. Je n'y joue pas hors live. Et ça me permet de l'apprécier sur des sessions de 1h30. Je pense que c'est peut-être c'est un peu la façon portable d'y. En tout cas, merci encore, Docteur Nintendo, de passer ces moments avec moi et de les partager. Merci beaucoup. Par contre, vraiment, la courbe de difficulté est dégueulasse hein, sur la fin. Ouais, c'est ce que j'avais mal compris sur le Discord. Apparemment, c'est un peu complexe. Ça, il n'y a pas de progression, pas de courbe de progression saine. J'ai envie de dire, ça doit monter à pic d'un coup. Mais est-ce que c'est pas le fait de pouvoir faire les choses comme tu le veux? Je sais pas. On verra bien. Allez. Un petit point sur le top. Je les laisse juste s'afficher. Je les annonce pas puisqu'on est on est en binôme de Nintendo. Voici pour le top. 740 000 points quand même, Docteur Nintendo. Les top hours. Et ce soir, le... Comment il s'appelle? Oui, le numéro bonus est à 31, donc 3100, c'est le maximum. Allez, c'est parti, on se lance. Installez-vous confortablement dans votre canapé. Préparez les chips et le coca. Et on y va. Alors, déjà lui, on va l'aider. Alors, comment je peux le bloquer? Je vais essayer de trouver une stratégie. Parce qu'on ne peut pas les coller, hein. On peut pas les coller. Je vais faire la stratégie. Je vais faire la stratégie du coffrage. Est-ce que vous connaissez la stratégie du coffrage, monsieur Docteur Nintendo? On va faire ça. Ensuite, on va faire ça. On a de quoi coffrer bien comme il faut. Technique du coffrage, voyons voir. Est-ce qu'elle va fonctionner? Technique du coffrage. Je peux pas l'englober? Si, voilà, là je l'englobe au maximum. Technique du coffrage et ensuite je vais refermer. Voyons voir. On referme. Est-ce que ça va marcher? Voyons voir. Ah oui, on lâche pour voir.
On va voir ça. Ça tient. Tiens là. Eh oui, il tient debout. Parfait. Ma technique fonctionne, monsieur Docteur Nintendo. Ça fait plaisir. Il va me donner de la bouffe. J'aime bien l'aider, lui, parce qu'il me donne de la bouffe. Enfin, je vais te lire, Docteur Nintendo, parce que les pavés, j'aime bien quand on est en mode binôme. En fait, je suis content que ce soit très difficile. Vraiment, ça donne un Souls Breath of the Wild. Ce qui était difficile n'est vraiment que l'à côté. C'est comme Mario Odyssey, c'est ce que je disais. Ce qui est difficile, ce n'était vraiment que l'à côté. Donc les trucs annexes, comme Mario Odyssey. Certaines lunes, c'est l'enfer à les récupérer, mais si tu files le jeu tout droit, ça va passer tout seul. Et il y avait une courbe, aussi bizarre soit-elle. Là, c'est vraiment une galère. J'aurais vraiment apprécié s'il y avait une petite évolution de difficulté. De difficulté avec le scénario, car là, c'est comme passer sur Octopass, du boss de premier chapitre au boss ultime du jeu sans entre-deux. Carrément. Ok. Et voilà. C'est parfait. Il a attaché, c'est très bien. 20 rubis. C'est bon pour la bourse. La boulette, très très bien. Est-ce qu'il a encore un truc? Un champi fumigène. Très bien. Parfait, ça c'est fait. Alors... ils m'ont laissé ma cabine téléphonique. Ils sont gentils. Alors c'est quoi là-bas? Il faut que je trouve un endroit où farmer des flèches. Hein. J'ai 6 flèches, là c'est pas bon. Là c'est critique. C'est critique, il va falloir que je trouve des flèches. Alors comment les farmer les flèches? Je rêve où ils sont plus forts. C'est une zone où ils sont plus forts, eux. Oh, quand lune de sang, direct, normal, comme ça. Lune de sang, d'accord. M'envoyer ravi. Ah, on peut tenter d'aller faire ce truc-là. Le fameux sanctuaire où faut monter sur l'île, mais je crois que je ne peux pas aller assez haut. Enfin, peut-être pas à ce point. Boss final, pas ultime, hein, car entre les deux, il y a aussi un monde. Ils deviennent plus forts ou pas? Non, c'est quand on les bute qu'ils deviennent plus forts. J'ai bien envie d'aller tenter le... aller tenter le dragon, tiens. Pourquoi pas? Alors, les items, c'est quoi? Ah! Il y a un Korogu. On l'a remarqué. Une épée de soldat? Lui, il a une épée de soldat? Qu'est-ce que je peux virer? Je peux rien virer. Ça serait pas un Octorok, ça, par hasard? Ça ressemble, en tout cas. Il y a des îles au milieu. À voir. Faudra voyager. Alors, c'est pas un spoil, car c'était pas pareil dans Breath of the Wild. Ils deviennent plus forts au fur et à mesure des temples, ce qui donne une courbe de difficulté, mais avec l'à côté, du coup... car on n'est pas obligé de les buter. D'accord. Ah, c'est pour ça que j'ai fini le premier temple et il passe en mode gris. Alors, il est où ton frère? Ouh, d'accord. Ah, faut inventer un truc qui vole. On pourra pas le faire maintenant. Ça sera pas possible. Donc, on va le pointer. On va pointer le Korogu. On va le pointer, le Korogu. On va mettre la feuille de Korogu. Voilà. Là,
À part voler, ou alors un bateau, ou simplement un bateau. Je coupe 2-3. Est-ce qu'il y a des arbres? Ah non, c'est faisable. Après, il y avait des zones de base, ils étaient plus forts. Mais avec les temples, c'est une majorité de monstres dans l'ensemble d'Hyrule qui change. Ok. Et donc, maintenant, tu peux faire les à côté. C'est ça que j'ai compris. Tu vas pouvoir finir les trucs annexes. Là, si tu veux, tu peux le finir le jeu. On est d'accord. Attendez. Je vais fabriquer un radeau. Je vais fabriquer un radeau. Faire ça. On va faire ça. Ok. On va faire ça. Oh, pourquoi j'aime bien mettre des flotteurs? J'aime bien mettre des flotteurs. Voilà mon bateau. Est-ce que ça va fonctionner? Que je peux le jeter, les pauvres. J'ai vu quand même quelques shorts, quelques réels. Ils prennent cher ces korogus quand même. Hein. Ils prennent cher ces korogus. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Tu t'es amusé à les torturer toi aussi. Oui, je peux le finir, mais je vais pas pouvoir. Il va au moins me falloir des cœurs et de l'entraînement, car il y a une fille. Sur ce boss qui est incroyable comme le concept et j'adore. Mais c'est difficile. Ok. Ok, je vais coller. Ensuite, on va s'amuser à descendre. Il va y avoir des ennemis, je pense. Hein. Ah ben V, c'est magnifique. Ah, attendez, il y a des roues. Ah, c'est excellent. On va tester les roues dans l'eau. Ça va marcher. Le pauvre. Va mourir en enfer. Va mourir en enfer. Je veux rejoindre mon ami. On peut les noyer ou pas? Il respire sous l'eau lui aussi. Pourquoi ils prennent cher comme ça les pauvres? Ça c'est quoi ça? Non. C'est bon. Oh, excellent, mais c'est la première fois que je vois ça. La manivelle. Ah, va falloir que je le pointe sur la carte, ça. Là, pas la manivelle, c'est le boîtier de commande. Je le mets au milieu. Je peux pas? Ah, si, voilà. Impeccable. Je mets une roue. Comment ça marche? C'est l'extérieur, ça, ou pas? Il n'y a pas d'extérieur. La roue flotte, j'espère. Oui, la roue flotte. Ah, je vais pouvoir y aller tranquille. On va mettre ça à l'avant, bien entendu. Ah, c'est excellent. Ça va être mon premier véhicule piloté. Elon Musk, on va concurrencer Tesla. Alors comment ça fonctionne? Attendez, comment ça fonctionne? Attendez. Mais... Il y a un truc qui va pas. Elles vont pas du bon côté. Il y a des flèches pour indiquer le sens. Effectivement. Je viens de comprendre. Et on va faire ça. Parce que je ne comprenais pas avant quoi. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Elle tourne dans le mauvais sens. C'est pas très droit.
C'est pas très droit. Au secours. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Parfait. Attention, on est parti! Ça avance pas bien. Quoi le problème là? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il faut que je rajoute un petit ventilateur peut-être? Est-ce qu'il faudrait que je rajoute un petit ventilateur? Putain. Elle drift de plus en plus la manette, c'est une vraie galère. Le seul stream de France, vous voyez le streamer souffler dans sa manette. Wham! Si on met en avant d'une voiture dans l'eau, tu crois qu'elle va avancer? Wham! Si on met l'avant d'une voiture dans l'eau, tu crois qu'elle va avancer? Le problème, tu crois que... Tu crois que le problème, il vient de... du fait que les roues soient à l'avant? Ah, tu me diras. Ah bon, on va mettre ça à l'arrière. Je vais essayer de le mettre en profondeur. Plus je le mets en profondeur, normalement ça va. On va le mettre sous. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Le bateau coule! Le bateau coule! Donc tu essayes d'avancer dans l'eau avec des roues. Eh ben normalement ça marche. Et je pense avoir trouvé une solution. C'est la roue, c'est pas le problème. C'est qu'il faut mettre des palmes. Je pense que c'est ça la solution. Ok. Et ici. C'est énorme. Ça va bloquer là. Ça va bloquer. Faut mettre au milieu. Merde, c'est de côté. Ok. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche mieux? Voilà, comme en vrai. Une voiture dans l'eau, même si elle flotte, ça va pas avancer. Et oui, ou en tout cas très légèrement. Par contre, est-ce que je peux trouver d'autres... essayer d'alourdir la machine. On va essayer de l'alourdir sur l'arrière. On va essayer de l'alourdir sur l'arrière.
Je devrais peut-être... Voilà. Mettre un peu de côté. Très bien. On va l'alourdir encore. Là, ça devrait le faire. Un transat automatique, les gars. Ça vous dit une petite sieste? Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Non, oh putain, au secours! On a coulé le Titanic! C'est pas une franche réussite. Là, ça va être un petit peu décalé en plus. Il est pas beau, mon transat! Voyons voir ce que ça donne. Là, en plus, il sera en décalé. Ça sera en décalé. Oui, oui, je sais où il est, ton copain. T'inquiète pas. On est en train de fabriquer un transat des mers. On dirait qu'il nage le... Il nage le... La nage papillon, les gars. Il fait la nage... Mon transat fait la nage papillon. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Mon transat. On va y arriver, hein. Oh putain! Mon transat! De la nage papillon! On va gagner la médaille de Jeux Olympiques! Ça marche, hein? C'est ma première vraie machine élaborée en mode Elon Musk. Le transat qui fait la nage papillon. Tu veux t'arrêter? Tu fais une pause. On peut tourner en plus, les gars. Parfait. Ça marche, hein? Ah, attendez, là, ça s'est bien équilibré, là. Là, il fait le crawl, là. Le transat fait le crawl. Bon, il est fatigué. Je pense qu'avec 2-3 planches, sur les roues, je pense que ça devrait bien avancer, en fait. Un jour, tu découvriras le véhicule ultime et tu verras que c'est encore plus con comme système de transat. Voilà pourquoi je donne 45 points sur cette chaîne. C'est un vrai moment de stream que l'on vit ensemble, monsieur Docteur Nintendo. C'est magnifique. Je te jure que les streams comme ça, en binôme ou à 3 ou à 4, c'est les meilleurs. Parce que t'es young. T'es en mode la bonne franquette. Magnifique. Mais au final, monsieur Docteur Nintendo, on l'aura sauvé le Korogu ou on l'aura pas sauvé? Le transat. Merci. Merci, mon bon vieux transat. Vous avez fait du bon boulot. Oh putain, faut pas que je le fasse tomber dans l'eau, lui, par contre. Heureusement que je l'ai sauvé, hein. Heureusement qu'il disparaît pas. Parfait!
Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est grâce à toi. Merci d'avoir amené mon ami. J'étais en train d'essuyer une larme, Docteur Nintendo. On l'aura sauvé. Mais de la plus triste des manières. Merci d'avoir amené mon ami. Tiens, c'est pour toi. Merci. Il serait temps qu'on trouve Noya, quand même. Il serait temps qu'on trouve Noya, Monsieur Docteur Nintendo, parce que là, Noya, on commence à avoir plein de noix korogu. On va aller fouiller quand même, hein, parce qu'on nous amène pas là pour rien, je pense. Juste une question. Non, ne me réponds pas. Parce que j'ai toujours pas la réponse. Ah, attendez. Ah, il y a un trou, il y a une profondeur là. Il y a une abîme. Ok, il y a donc une abîme ici. Un abîme ou une abîme? En vrai, je vais essayer de lui coller deux ventilos et le gouvernail directement sur lui. Il va faire du surf. C'est quoi, c'est un... Ah, c'est un mob là-bas. Avec ses TMPNJ. Bon, ben, il serait temps d'aller faire quand même des quêtes annexes aussi, non? Ça peut être intéressant. J'ai peur d'aller l'affronter, lui, je vous le dis. Hein. À mon avis, ça risque d'être compliqué. Hein. Bon, on peut se tailler d'ici. Du coup, je peux retirer la... retirer ça. Effacer le tampon. Mon transat, il peut tuer un dragon. Carrément. Attendez, on sait jamais. Faut que je trouve des flèches, monsieur Docteur Nintendo. Je trouve des flèches. Faut que je trouve des flèches. Alors attendez, on m'a dit qu'il y avait une quête annexe. Là, vers le fort de Gué. Apparemment, il y a une quête annexe. Mon transat, il peut tuer le dragon. Ça veut dire que j'amène les roues et je les fais tournoyer sur lui, ça peut le buter. Attendez, parce qu'il y a un grand là. C'est un goron. Il s'est mis à pleuvoir. Quelle affaire! Un goron qui ne retrouve plus le chemin du village goron. Mais comment est-ce possible? J'ai honte. Quand j'ai quitté le village, il y avait des coulées de lave partout. Personne m'a dit que la route avait changé depuis que la montagne de la mort s'était endormie. C'est vrai qu'avant, il y avait des coulées de lave partout. C'était une vraie fournaise, et aucun Ilien ne pouvait se rendre là-bas sans équiper d'une tenue anti-feu. J'aurais bien aimé y aller, mais c'était tout simplement impossible. Bon, de ce qu'on m'a dit, faut prendre une direction de la montagne de la mort quand on aperçoit au nord-est. La route devrait nous mener jusqu'au relais de la forêt, et une fois là-bas, là, c'est direction plein nord. C'est plutôt simple, en fait. Oui, ça devrait aller. On peut tout à fait prendre la montagne de la mort comme point de repère. Mais au sommet, il y a encore cette fumée rouge ressemblant à des miasmes qui sort. Je crois qu'il vaut mieux éviter de trop s'en approcher. Bien, il s'est mis à pleuvoir, alors on ferait mieux de se mettre en sans freiner. On pourra même faire escale pour manger dans cette auberge dont tu m'as tant parlé. Ah oui, avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, donc on pourrait les retrouver là-bas, je pense. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a comme quête annexe? Quête secondaire, enquête de vérité. Bourgette, la rédactrice en chef, très bien. Les chèvres en fuite. Alors peut-être, Docteur Nintendo. Pour l'amour des puits, le sanctuaire du lac... La quête de sanctuaire est quête secondaire.
J'en ai découvert que deux. Hein. On va aller faire les chèvres. Il semblerait que toutes les chèvres blanches du relais... Non, 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 on va pas te faire de quête. On va essayer de terminer déjà les points qu'on faisait. On profite, c'est la bonne franquette. Il faudra que je me souvienne d'eux, là. Oh, attendez, il y a un sanctuaire qu'on n'a pas fait, là. Ouh, il y a un sanctuaire qu'on n'avait pas fait. Est-ce que la tête marche bien, monsieur Docteur Nintendo? À nous de voir. Riddle Aveugleman. Ok, j'ai raté quelque chose. J'ai raté quelque chose. Effectivement, j'ai raté quelque chose. Écoute, on va faire le sanctuaire et on va y retourner. Ah mais pour moi, j'ai pas fait le tour du fort de Guet après, hein. Effectivement. J'ai pas fait le tour du fort de Guet. Tu es honteux. Ah ben c'est la leçon de combat de lancer. Mais je pense, il me semblait qu'on l'avait fait déjà. Il me semblait qu'on l'avait fait. Toi qui a pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Vise bien et lance le matériau. Lequel de matériaux? Aucune autre attaque ne sera efficace, prépare-toi. Mais le lancer, on n'avait pas déjà fait? Alors attends, il y a peut-être moyen de farmer des flèches. Oh, il y a moyen de farmer des flèches. Oh, mais il y a moyen de farmer des flèches, là. Et Docteur Nintendo, c'est pas la technique pour farmer des flèches, ça? Tu es honteux. Attends, Docteur Nintendo. Il n'en donne plus après, peut-être. Mais non, après, il n'en donne plus. Il n'en donne plus. Trop long, c'est mieux de farmer les rubis pour en avoir dans les boutiques. Ah putain, ils vendent des flèches, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ils ont calculé le coût. Il n'en donne plus. Il t'en donne 5-6. Et après, tu peux plus les récupérer. Bon, le lancer. Le lancer, je vais prendre ça, ma foi. Il faut viser la tête en plus. Attendez, attendez. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il faut que je mette le truc de feu avec? Il est où le fruit de feu? Ah non, mais c'est ça qu'il faut... C'était que le fruit de feu qu'il fallait que je lance. Je suis honteux, qu'est-ce qui se passe? Mais le cerveau marche bien. Au bout d'un certain temps, mais il marche bien. C'est pas fini, phase 2. Il bouge maintenant. Ok, Macken. Les neurones, oui, mais pas les yeux. Écoute, monsieur Docteur Ditedo, nous allons retourner de ce pas... à la tour Fort de Guet,
apparemment, Aveugle Man était en action. Il va falloir remédier à tout ça. Est-ce qu'il m'a lâché quelque chose? Eh oui, il m'a lâché quelque chose. Ah, mais oui. Ils m'ont mis... Ils sont sympathiques. Ils m'ont mis une flèche. Ils m'ont mis une échelle. Ils m'ont mis une échelle. Tant mieux. Qu'est-ce qu'ils me proposent en cadeau pour cette magnifique victoire? 3 fleurs bombes. C'est très bien, j'étais en galère. Oui, mais j'avais oublié qu'on pouvait acheter des flèches, monsieur Docteur Nintendo. J'avais carrément oublié. Alzheimer Man est de retour. Alzheimer Man est de retour, les gars. Allez. Je m'en excuse. Ah, je peux me rajouter une petite tendue en plus. C'est très très bien. C'est très très bien. Je pense que je vais faire un tour d'endurance. Un tour d'endurance, peut-être. Et après, je vais essayer de monter à 10 cœurs. Attendez, qu'est-ce que c'est ça là-bas? C'est un truc, c'est un camp de méchants. Très bien. Go. Go, go, go. Ah, attendez, ici, il y avait quelque chose. Il y avait le Korogu ici. Oui. Il y avait le Korogu, gars. Ah, attendez, parce qu'il va falloir certainement... Il va falloir certainement aller de plus en plus haut. Oh, j'en étais sûr. Oh, le dernier me dit pas qu'il est là-haut. Oh là là, ils sont sérieux. Je crois qu'il faut avoir de l'endurance. Je crois qu'il faut avoir de l'endu. Non! Il manque, il m'a un millimètre! Putain! Il manquait un millimètre! J'avais pas vu l'échelle! J'avais tout récupéré avec le pouvoir pour assembler! C'est la force de ce jeu, Docteur Nintendo. C'est la force de ce jeu. Ah non! Mais je l'avais récupéré! Mais qu'est couillon! Oh, c'est réussi. Mais je croyais qu'elle disparaissait au bout d'un certain temps. Il y a des gros mobs. Il y a des gros mobs là-bas. Ils sont en train de dormir. On va pas les déranger. Est-ce que ce sanctuaire n'est pas marqué? Et en plus, il y a un relais. On va le noter. Non, c'est juste si tu t'éloignes. Qu'est-ce que je peux faire? Pour y aller rapidos. Ah, là-bas, il y en a un aussi. Il n'est pas marqué, non. Ok. Ah! Il y avait un PNJ. Oh, attendez, il y a un Gerudo qui est en train de se battre, on va l'aider. J'arrive! T'aimes bien les Voy? Si t'aimes bien les Voy, je viens te donner un coup de main. Il est mort? Il est mort. Elle va me donner quelque chose. Si j'étais plus jeune... Même quand ils ont l'air tout faiblards, les monstres restent des monstres. Il ne faut pas baisser sa garde. Ah. Tiens, pour te remercier. Très gentil, madame la Gerudo. Je suis la légendaire chasseuse de trésors du peuple Gerudo. Mon nom est Rubasque. Enchanté.
Est-ce que tu savais que depuis le cataclysme, des phénomènes étranges s'étaient produits dans le royaume? Ah. On peut avoir des îles dans le ciel, on peut voir des îles dans le ciel, et plein de grottes sont apparues. C'est une aubaine pour les chasseurs de trésors. Mm. Ces derniers temps, je suis très intrigué par ces pierres que j'ai vues tomber du ciel au cours de mes voyages. Il n'y a pas si longtemps, j'en ai même rêvé, c'est pour dire. Dans mon rêve, une pierre tombée du ciel s'est mise à flotter comme pour retourner dans le ciel. Alors je m'y suis accroché et je suis arrivé sur une île volante, remplie de trésors, le bonheur. Quelle drôle de vie, mais ce serait bien s'il était prémonitoire. Une pierre qui retourne dans le ciel, je me demande bien pourquoi j'ai rêvé de ça. C'est à peu près tout ce que j'avais à raconter. Allez, à la prochaine fois. On dirait Forrest Gump qui a parlé. Oh, attendez, ça veut dire qu'il y a un rocher qui risque de tomber pas loin. Et est-ce qu'il y a une île flottante dans le coin? On va retourner à Fort de Guay, hein. On va y retourner. C'est juste que, à mon avis... Oui, on va aller lui donner un coup de main, le pauvre. On a l'habitude. Après, la mécanique, là, elle est quand même toujours pareille. Hein. C'est soit rocher... Alors là, comment il est? Il est en pic ou il est en quoi? Oh non, là, c'est facile. Ah non, il peut tomber que en avant ou en arrière. Donc, en gros... On va faire ça. Est-ce qu'il tient? Il va pas tenir, là. Si, ça tient. Si, ça tient. Ben si, la colle, ça marche. Ah non, la colle ne prend pas. Normalement, ça devrait fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner. Normalement, je dis bien normalement. Ah, c'est toi, merci. Du coup de main. Lâche pour voir. Tu vas le tenir pour moi? Oh, ça tient. Magnifique. Parfait. Donne-moi de la bouffe. N'oublie pas les gants Bullwam. Effectivement. Effectivement, c'est le soir. Pas beaucoup plus. Plus de chances de le remporter. 62. Si on divise par 2, ça fonctionne, Docteur Nintendo? On divise par 2 mon gamble. Ça fait 31 et je touche la moitié de 31. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on dérogerait à la règle si on faisait ça? Merci. Lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien. Il donne de la bouffe. Je l'aime bien. Si tu veux... Mais je touche l'autre moitié pour le silence. Bon, il n'y a pas de rocher qui tombe. Pas de rocher qui tombe. Bon, Fort de Guay. On a dit Fort de Guay parce que je suis un aveugle man. Alors, on va faire le gamble. Et non, c'est trop tôt. Faire un slot à 1000, tiens, ça fait longtemps. Il va me dépasser, hein, Shadowhammer. Hein. Il va me dépasser. Il a combien? Il a 129 000. Faut que je me calme sur les slots. Il va bientôt me doubler. Hein. Je me fais doubler par Shadowhammer. Ouais. Oh, putain de merde. Me dis pas qu'on l'avait vu. Je l'ai vu, là, Docteur Nintendo. Je l'ai vu. Mais... Est-ce que... Oh, il y a une quête annexe. Très bien. Enfin, tu l'as vu.
On l'avait vu à l'écran tout à l'heure ou pas? Est-ce qu'on l'avait vu à l'écran? Il était en gros plan tout à l'heure. Aveugle man, il était mérité. Nom d'une noix! Tu peux me voir, je sais que tu peux me voir, c'est moi Noya, le musicien de la forêt Korogu au nord. Ma danse des macaras et des maracas est célèbre. J'étais en voyage loin de la forêt et ces derniers temps, ça fait un peu peur dehors, tu trouves pas? Du coup, je me suis posé ici, il y a plein de gens et ça a l'air plutôt sûr. Dis, c'est pas drôle de rester planté comme ça, tu voudrais pas voir ma super danse? Effectivement. On va se rajouter plein de choses. Ils sont vides. Ne contiennent plus une seule noix Korogu, impossible d'en jouer. Est-ce que les enfants de la forêt les ont encore emportés avec eux? Si j'en avais une, je pourrais chanter et danser pour agrandir la sacoche. Les ennuis de Noya, mais franchement. Ça veut dire que... Il est arrivé quand? Est-ce qu'il est arrivé après le premier donjon? Il était en gros plan tout à l'heure, je suis un aveugle man. Bon, après, il a un peu une tenue de camouflage, Dr. Nintendo. Faut dire ce qui est, hein. Toi qu'il cherchait de voir, ne pas le voir, alors qu'il était en face de toi depuis toujours. Depuis le début, il y est? Non, mais attends, il ressemble à un arbre, hein. Non, depuis le début, quand tu dis depuis toujours, tu... Sur moi, Dr. Nintendo. Depuis toujours. Depuis le début du jeu, il est là. Il est là avant les donjons. Oh non, non. Ça veut dire que quand je suis arrivé la première fois... Quand je suis arrivé la première fois dans le fort de Gué, il était là. Car j'ai agrandi ma sacoche avant de les faire. Mais elle ne s'est répandue même partout. On dirait que les enfants de la forêt les ont tous ramassés pendant que je paniquais. Cette odeur, oui, j'ai des noix Korogu, j'en ai plein même. Si tu me donnes une noix Korogu, j'agrandirai un compartiment de ta sacoche. D'accord. Et on va faire péter la danse là, je vous le dis. On va rajouter les armes déjà. Très bien. La danse a changé. Peut-être pas la toute première fois, mais ils doivent avoir une condition pour qu'il apparaisse. Et c'est très tôt dans le jeu. Hein. Eh ouais. Parfait. Ensuite. Terminé. On va t'en proposer d'autres, t'inquiète pas. Les armes. On va augmenter maintenant. Mais arc et armes, hein. C'est tout. Hein. Les boucliers, franchement, ça casse pas trop. Peut-être qu'au début... Au début, j'en fais un de chaque. Et quand ça commence à doubler... On va pas se la refaire non plus. Hein. La danse a changé, par contre, ou pas? Elle a quand même changé, la danse. Rassure-moi, Dr. Nintendo. Rassure-moi, quand même. Alors, les boucliers. Oui, elle a changé, on est d'accord. Bouclier, on va rajouter. Les boucliers, j'ai pas l'impression qu'il y a besoin pour le moment. On va faire les armes. Il n'y avait pas les trois Korogu avec lui. C'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Ah mais je vais pouvoir en rajouter des compartiments maintenant. Maintenant c'est 3. Aveugle man. Je vais le répéter jusqu'à ce qu'on ait les compartiments complets. Ça... Ah oui, ben en fait,
C'est par catégorie le nombre de noix. Tu verras à la rediff. Mais il était clairement à l'écran. Ah ben ouais. Et tu devais te dire, mais est-ce qu'il va le voir? Mais est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va le voir? C'est ça que tu te disais, Docteur Nintendo. Hein. Et je suis passé à côté. Merde. Les armes encore. Elle m'en demande 5 là quand même. Hein. Ok. Parfait, on commence à être pas mal là. On commence à être pas mal. Les arcs. Donc on va faire les arcs. Et ensuite... Parce que franchement, après les arcs... Je refais quoi? 8. Bon, je refais un arc et ça suffira. Donc j'ai fait l'aveugle man, car sinon tu l'aurais jamais vu, sans spoil, car c'est toi qui l'as découvert. Mais j'ai raté quelque chose, effectivement, j'avais compris que j'avais raté quelque chose. On fait quand même un bouclier, histoire de... Voilà, parce que 4, c'était un peu l'edge, quand même. Est-ce que c'est toujours 1, le deuxième? Deuxième, c'est 1 ou c'est 2? Eh ouais, c'est 2. Je peux plus rien augmenter. Très bien. Ensuite, on va rajouter un petit peu d'endurance. Ah, c'est qui, lui? Il y a un piaf qui vole. J'ai envie de lui lancer une flèche. J'ai envie de lui lancer une flèche. Il y en a deux. Oh, je l'ai touché. Je l'ai touché. Il est où? Je l'ai touché. Je l'ai touché, mais il a rien fait. Bon, la statue. La statue est où? Un petit cœur d'endurance. Un petit cœur d'endurance. Une petite jauge d'endurance. Pas mal, hein? Je l'ai touché, Docteur Nintendo. Plus d'endurance. Ça va pas me faire un... Ça va pas me faire la moitié. Mais ça va augmenter quand même de presque la moitié. Piaf! Qui sont là pour aider, car chez eux c'est maintenant calme. Ah, je comprends. Très bien, il y a un petit équilibre maintenant. Un petit équilibre entre vie et endurance. Pas de quête annexe ici. Entre, ici il y a une quête annexe, je vais la noter pour pas l'oublier. Alors, il était où? Ça y était pas, les gars. Il y avait une quête annexe ici. Une quête annexe ici. Donc, on va en pointer deux. On va en pointer deux. Faire un monsieur là. Et un monsieur ici. Voilà. L'attelage, je sais toujours pas comment le faire. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Salut Sentenza! Toujours un partout entre Séville et la Roma. Ah, c'est la finale de... Mais je croyais que c'était un samedi. Je croyais que c'était un samedi, la finale.
Merci Sentenza pour les scores. Un partout. Très bien. Et Mourinho peut la gagner. Parfait. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a un sanctuaire qu'on n'a pas fait ici? On va effacer cette balise-là. J'ai trois quêtes annexes de côté. Non, pas l'Europa League. Ah, la Conference League. La finale de l'Europa League, c'est quand? Et c'est qui est en finale? Mais attends, la Roma, ils sont en finale de l'Europa League puisqu'ils étaient en Conference League l'année dernière. Ah, le sanctuaire, c'est papa. Il m'en avait parlé, Dr. Nintendo. Ce soir, c'est l'Europa, l'Europa League. Oui, donc, c'est la finale de l'Europa League ce soir. Je croyais qu'ils avaient foutu là. Le chemin du retour. Le chemin du retour, ah ben effectivement, ça va être simple. Je vais balancer ça. Voilà, là, c'est très très simple. La petite musique de victoire. Parfait. Ouh là là, attention là. Est-ce que ça peut marcher ? Oh putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Pourquoi je le brûlerai pas directement comme ça? Ça marche aussi bien, non? Que d'envoyer une flèche brûlante. Parfait. C'est papa. Meilleur nom de sanctuaire. Ce papa. Alors. Ben là, tout simplement, hein. Le chemin de retour là-dessus, hein. Par contre, les blocs de... Les bougies, j'aimerais bien en avoir en capsule. C'est trop tôt. La finale de la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine. Demain, c'est la conférence. D'accord, et ce soir, l'Europa League, du coup. Ok. Oh, ben, n'hésite pas à nous dire le score, hein. Ah, putain de merde, j'ai compris. J'ai compris. Il faut que j'allume. Ah oui, d'accord. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Il faut que j'allume la torche. Ici. Je fasse le chemin retour. Ah non, faut que je le fasse plus tôt. D'accord, comme ça. Voilà. C'est le 7. Parfait. Le coffre, c'est réglé. La finale de la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine. C'est le 10 juin. Le 10 juin, c'est ça. C'est le 10 juin. Attendez là, parce qu'il y a plusieurs boules. Ça fait quoi si j'en mets une ici directement? D'accord, ok. Faut que je trouve la deuxième boule pour la mettre ici. Elle est où? Ah,
Ah ouais, non, c'est bon, j'ai compris. On va faire ça. Ça. Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. On va faire le chemin retour. Donc là, hop. 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 Et du coup... Hop, go, on y va. Quoi ? Ça a été trop vite. Ça a été trop vite. Je la laisse longtemps. Ça va se finir au tibrou-but tout ça. On va voir, Sentenza. On va voir. On est à combien de minutes? Ok, on va faire ça. Et non. Faut que je calcule le temps aussi, alors, du coup. Je calcule le temps. Est-ce qu'il y a un pro... Est-ce qu'il y a une notion de distance? Et oui, il y a une notion de distance, non? Ah non, il n'y a pas de notion de distance pour ça. Parfait, impeccable. Parfait. Le tir au but, pire règle qui était inventée. On est à la 107e. Ah, on est déjà en prolongation. Ah ben reste avec nous jusqu'à la fin du match, Sentenza. Donc ça, tu nous dis un peu les scores en direct. C'est vrai que les tirs au but, c'est un peu... Bon, après, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu spécial. Maintenant, tu veux... Qu'est-ce qu'on fait, Docteur Nintendo? On les fait courir sur un terrain jusqu'à ce qu'ils font une crise cardiaque? Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, il y avait les pénaltys. Les pénaltys à l'américaine dans les années 90. Est-ce que Sentenza les connaît? Règle officielle pour la Major League. La M... Non, la... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle la Ligue américaine de football? La MS, la MLS, la Major League Soccer. La MLS, ouais, c'est ça. But en or, c'est la meilleure règle pour moi. Le premier qui marque gagne. Oui, mais si il ne marque pas au bout des 30 minutes de prolongation, il continue de courir derrière un ballon jusqu'à ce qu'il fasse une crise cardiaque? Quelle est la question? Telle est la question, monsieur Docteur Nintendo. Très bien. Ensuite, le point qu'il y avait ici. On peut faire le trésor, pourquoi pas? On peut faire le trésor. On peut tenter le trésor. Je vais mettre un point. Trésor de lambda. On va mettre le point ici. Le violet. Est-ce qu'on le voit? Il est là-bas. Le but du football, c'est de pouvoir revenir, sinon c'est pas du jeu. Eh, c'est pas faux. Tir au but, c'est bien plus ingrat que le but en or. But en or, il y a le mérite de se battre pour ce dernier but à mettre. Le tir au but. Après, il y a eu la règle du but en argent. Non, but en or, c'est ingrat. Il y avait le but en argent, les gars, aussi. Hein, qui était officiel pendant 2-3 ans, je crois. Le but en argent, c'était celui qui marquait. En fait, on allait jusqu'au bout de la prolongation. On allait jusqu'au bout de la prolongation. On n'arrêtait pas le match sur la victoire. Attendez, il y a quelque chose.
Attendez, déjà ici, j'aimerais bien... Déjà, on va farmer. Et ici, on peut le péter ou pas? De la gemme Nox. Du silex. Je crois que je l'ai... fait le péter. Est-ce que j'en ai un autre? J'en ai pas d'autre. Ça marche pas. Ça marche pas. Y a pas un rocher si ils t'en mettent des rochers, ils sont gentils. Voilà. Ils t'en mettent pour pouvoir farmer. Oh, y a un cerisier là-bas. C'est quoi ce cerisier? C'est un arbre rose qui est tout seul, seul au monde. Donc, Monsieur Saint-Enza ne connaît peut-être pas le but en, les tirs au but qui étaient officiels en Major League Soccer dans les années 90. Le tir au but, je vais vous dire ce que c'est. Le tir au but américain dans les années 90, ça je me suis renseigné sur YouTube. Et en fait, l'attaquant, il y avait le gardien de but qui était dans, qui était dans les buts. Et l'attaquant, ou le tireur, qui partait du milieu de terrain et qui devait aller marquer un but. Le but en or, c'est vraiment la mort subite. Les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur et vont tout donner pour marquer ce dernier but. Toutes les compétences sont requises pour prendre le dessus. Oui, mais comment ils font ? Monsieur Docteur Nintendo, est-ce que tu peux m'expliquer comment ils font? Comment ils font s'ils arrivent pas à se départager? Elle est là la question. Comment ils font? Alors. Fait du silex. Va falloir que j'achète des flèches. International Football Association Board supprime cette règle le 27 février 2004 en raison de l'injustice pour le perdant qui perd l'opportunité d'égaliser durant le temps restant des prolongations. Oui, et le but en argent. Au bout d'un moment, l'équipe fatigue et va forcément commettre l'erreur. Il n'y a pas plus grand suspense que ça. Oui, mais s'il faut une crise cardiaque, Docteur Nintendo. Putain, mais tu peux farmer le silex ici. Hein. Et il y a de quoi farmer ici. Hein. Par contre... Roche, ils te mettent pas des rochers ? On va mettre pas un petit rocher. Si, on met un petit rocher. Il est où le coffre? Oh putain! Oh putain! Secours! Il est un peu trop costaud là. Il est un peu trop costaud là, non? J'ai pas les bombes en plus. Comment je vais faire? Secours! Je vais le battre. Il
Ben j'espère. C'est du sport, il m'a dit, Docteur Nintendo. C'est du sport. Putain, secours, le deuxième bras, s'il vous plaît. Ah, il m'a tout... Non ! One shot, carrément ! Oh, l'enfoiré ! Le tir au but, c'est de la chance. Au football, le but en argent servait à départager deux équipes pour décider d'un vainqueur au cours d'une prolongation de 2 fois 15 minutes. Tout à fait. Ah non, mais one shot, les gars. Alors, il me faut soit une tenue qui m'octroie plus de défense. Je vais me barrer. Je vais me barrer parce que clairement le one shot ça va pas le faire. Ça va pas le faire le one shot. Pas le one shot non. Il faudra revenir. Il faudra revenir quand on est plus fort. On va se casser. Et j'en ai fait pas mal de sanctuaires quand même. Hein. On va aller ici sur le point rouge. Tir au but. Merci beaucoup, Sentenza. Est-ce que tu peux nous les faire en direct, s'il te plaît? Moi, j'aimerais bien que ce soit la Roma qui gagne. Parce que au moins, Mourinho, il aura gagné 2 Coupes d'Europe consécutives. Et il aura gagné toutes les Coupes d'Europe. Je crois que ce sanctuaire s'appelait le sanctuaire Mon Long Cul. Je ne ferai pas de mauvaise blague à ce sujet. Le rouge. On a dit le rouge. Le rouge est ici. Ok, il y a bien un sanctuaire. Si je peux en faire 2 là, de boost, c'est pas mal. Mais c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure, non? Je peux même en faire 3. Oh, Korugu. Korugu, les gars. Korugu. Tu peux monter ou pas? Tu peux monter. Ok. La pierre est ici. Comment je vais la monter, la pierre, moi? Certainement comme ça. Certainement comme ça, pour former un carré. Magnifique! C'est pas de la chance, les tirs au but. Si tu sais pas les tirer, ça sert à rien. Bien sûr que c'est de la chance. Il suffit que le gardien saute à gauche... Et que le tir soit à droite et c'est mort. Il n'y a pas de possibilité de rectifier ton erreur. Le hasard est énorme. Dans le principe du tir au but. Ouais, c'est choisir le bon côté. Mais après, Docteur Nintendo, personnellement, moi qui ai fait du foot pendant de nombreuses années, je tiens à te dire qu'un bon gardien, sachant que j'étais gardien, est capable de déterminer où va aller le ballon juste avec la gestuelle du tireur. Lui, c'est un mob, lui, c'est sûr. Il est d'une autre couleur. Non, même pas. Même pas. Je pensais que c'était un mob. Et si le gardien l'arrête, c'est plus de la chance. Non, non, le gardien... Par rapport à la gestuelle du tireur, est capable de savoir si le ballon va aller à droite ou à gauche. Hein. Notamment la direction du pied d'appui. Messieurs, j'ai quelques années de foot derrière moi. Ok, en avant.
En avant Guingamp. C'est parti. Dernier sanctuaire de ce live. Alors, une boule. Une grosse boule à poser ici. Pour la fin du sanctuaire. Très bien. Ici. Une boule à poser certainement pour ouvrir. Ok, réfléchissons un peu pour ce dernier sanctuaire de ce live. Notre dernier défi. Ok, une grosse boule ici. Ah, ils ont changé la lave. C'est plutôt bien fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il va falloir faire là-bas? Oh là là, va falloir réfléchir là. Va falloir réfléchir. Alors, je vais devoir amener la boule là-bas peut-être. On va amener la boule là-bas. On va déjà la mettre dans l'axe. Ah, histoire de... C'est pour ça qu'il existe un gardien. C'est que... C'est pour quelque chose. Et donc, quand il saute du mauvais côté, c'est quoi? C'est de la mauvaise anticipation. Il a choisi le mauvais côté où le joueur a feinté sa gestuelle. Alors, attendez. On peut passer normalement. Oui, ça marche. Ça a l'air de marcher. Parfait. Prends la boule. On la pose ici. On reprend la boule. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va la coller ici. Ok. Et ensuite... Qu'est-ce que je peux faire? Ah, attendez. Je pense avoir compris. Alors. Pourquoi elle veut pas rouler? Ah, oui. J'ai compris pourquoi elle voulait pas rouler. Bon, il y a contact, puisque je vois qu'il y a de la fumée. Non, non. Ah. Faire ça. On va faire ça. Ça. Est-ce qu'on peut faire que la poser? Si je fais que la poser. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? C'est interminable ce match. Il est interminable. Moi, je trouverai toujours ça pas excitant ou intéressant à la Coupe du Monde. Dès qu'on est arrivé au tir au but, j'avais perdu l'intérêt de ce match qui pourtant était génial. Même si la France avait gagné à mes yeux, ça n'aurait pas été d'une belle façon. Ouais, je comprends. Je comprends. Comment je peux faire là? Elle marche là. Si je fais ça. Il y a un truc que je comprends pas.
Si je prends la boule... Ah, je peux pas la poser en haut. Oulala, complexe. Ah non, j'ai compris. J'ai compris. Ça y est, Eureka. Le but en or, c'est vraiment honorable. Ah, je reconnais. Hein. Je reconnais. Hein. Le but en or qu'il y avait eu à la Coupe du Monde. Pas la Coupe du Monde, à l'Euro. Attendez. Ça peut fonctionner, ça. Si je mets au milieu. Ok. Ça a l'air de marcher. Oh là là, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Le coffre, par contre. Non, je peux récupérer que la boule, s'il vous plaît. Oh là 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 là, il y a une phase 2. Oh, il est chaud ce sanctuaire. On va essayer de faire une technique. Le coffre. J'ai vu le coffre. J'ai vu le coffre. Ah putain. On va faire ça. J'ai vu le coffre. J'ai vu le coffre. Je l'ai vu. Et qui gagne les tirs au but, Séville ou la Roma? J'espère la Roma. Je sais pas, j'aime bien Mourinho, moi. Le foot, c'est pour tout le monde. Je pense avoir compris, les gars. Faire ça. Ensuite, il y en a combien? Je pense que ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Plus il y en a 4. En espérant que ça fonctionne. Oh putain, mais y'a que moi pour faire ça, bordel. Voilà, je l'ai remis droit, c'est déjà ça. On passe entrechoqué. Alors, où ça en est, ces tirs au but?
Ok. Oh, attendez, il y avait quoi là-haut? Il y avait quoi? Pour passer de l'autre côté? Bon, on tente. Mongolito. 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 Effectivement, il n'y a que moi pour faire ça, les gars. C'est la run 100% WAM. Et on va essayer... On va essayer de l'envoyer que comme ça. On devrait le faire, normalement. Oh, celui de gauche, il est bloqué. Ah, il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué parce que je l'ai mal positionné. Et ouais, c'est... Ah putain, c'est la roue qui est mal positionnée. Oh là là, ce bordel. Oh, c'est scandaleux. On n'y arrivera jamais. Mais c'est pas là. Oh, c'est scandaleux. Catastrophe. C'est tellement précis. Il me reste plus qu'une flèche. Mais vraiment dans la merde. On est dans la merde. On est... Qu'est-ce qu'il dirait Montaigne? Montaigne dirait qu'on est dans la merde. Go, on y va. J'espère que ça passera. Ça passe. Au moment ça passe. Au moment ça passe. Ton fils joue à Roland Garros? Il y a Roland Garros aussi. On a eu droit à un sacré match hier. Mon fils contre Baez. Ah, il parle de Gaël, mon fils, monsieur Docteur Nintendo. Eh ben, dis donc, ça a été laborieux. Ça a été laborieux, mais on y est arrivé. N'est-ce pas le plus important? Ok. Parfait. Ah ben voilà, on termine magnifiquement ce... Magnifiquement bien ce live. Parce que la tête marche bien. Parfait. Ce sanctuaire, je l'ai passé en faisant juste un immense et honteux pont et en transportant la boule
de bout à l'autre. Ah, s'il y avait assez de planches, si tu les casses pas, comme moi. Le pénitent le passe, effectivement. Attends, on va regarder. J'ai commandé un film chez un particulier, je crois. Essaie de m'en... Pour quelle raison il veut pas te l'envoyer? Est-ce que les tirs au but sont terminés, Sentenza? Mon fils forfait. Info en direct de l'équipe. Oh là là, le gamble, le gamble. Oh, 32. Putain, 32, bordel. 32. Slot 1000. Non, il veut pas. J'envoie le troisième message, il répond pas. En plus pour 10 euros. Ah ouais. Non, il veut pas. J'envoie un troisième message et il répond pas. Et en plus pour 10 euros. Désolé pour ton gamin. Même forfait, tu dois être fier de lui. Pourquoi tu dis ça? Désolé pour ton gamin. Même forfait, tu dois être fier de lui. Même forfait. Ah, mon fils. Jean-Gaël, mon fils. Non, Gaël, mon fils. Séance de tir au but. Ça y est, ça commence. On va la faire en direct, cette Tenza, si tu veux nous dire qui marque à chaque fois. Je veux bien la faire en direct et on finit le live là-dessus. Des flèches. On peut peut-être aller acheter des flèches pour... en attendant. Parce que là, on en a plus, là. Là, c'est la catastrophe. On a 1000 rubis. Il vend quoi, lui? Est-ce qu'il en vend des flèches? Je veux acheter. Effectivement. On peut pas en acheter plusieurs? 5 flèches, 30 rubis. Il en a plus. Ça fait cher les 5 flèches quand même. Hein. Lui, tu le vois partout, lui. Hein. Oh, une nouvelle rumeur. Oh, il y a des quêtes ici. Il y a des quêtes, on va les mentionner. J'ai vraiment hâte que tu rencontres ces monstres, Wham. Aveugle man. Que se passe-t-il? Attendez. On va mettre déjà une quête monsieur et une quête monsieur ici. Pour me rappeler qu'il y en a deux. Aveugle man. Attendez. Si je lui reparle. C'est peut-être pour les flèches. 5 flèches. Il y en a 7 dans la sacoche. Oh, désolé monsieur, j'en ai plus pour le moment. Qu'est-ce que j'ai raté? Il écrit sur un carnet, lui. Mais tu le fais exprès? J'ai pas bien vu. Tu sais, ce PNJ pourrait ressembler à quelqu'un dans la vraie vie.
Non, je le fais pas exprès, Doc. Tu peux tuer la poule? Oui, c'est possible. Mais elle se venge. Attends, il m'a dit Aveugleman. Aveugleman, pourquoi? Attendez, je réfléchis. Plutôt, j'observe. Il va encore 20 flèches à l'unité. Oh là là, mince putain. Ah oui, il en a 20, effectivement. J'achète tout pour 120. Et donc, il en vend 25. Donc, 120 pour 25. Non, 120 pour 20 flèches. Et l'autre, c'est 30, les 5. Il nous instanque pas par hasard ou quoi, là? Il nous instanque? 150, les 25. Sévi commence à tirer 70% de chance, ceux qui tirent en premier. Ah bon? Je connaissais pas cette stat, Sentenza. Je la connaissais pas. Non, mais c'est bon, 25 flèches. Donc faut que je farme tous les ranch. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est une quête annexe ou pas? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il regarde? Ah, là-bas, il y a certainement un Kurugu. Il y a des flèches dans tous les coins de vente en plus. Tout à fait. Dont un au fort du guet. Cette feature est vraiment intéressante. Non, y a rien ici. Y a rien. On va aller en acheter au fort du guet. Là-bas, il y a peut-être un coffre. On va en profiter. Avec le rétrospective. Il n'y a pas de coffre. Chipel céleste dit. Va m'amener quelque part ou pas? Si. Sauf qu'il n'y a que dalle. C'était pas là où il y avait le dragon qui était... Le dragon malade de Breath of the Wild. Au compost, tire et marque 1-0. Lamella tire et bute 2-1 pour Séville. Si tu as bonne mémoire... Ah si, tu as bonne mémoire pour une fois. Eh oui. Après, c'est vrai que c'était une grosse montagne enneigée. Oh le... J'ai hâte de voir ce qu'il y aura là-bas. J'ai hâte de revoir les Gorons aussi. J'ai tellement envie de la visiter, la map, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, donc c'était bien là-bas. Hein. Donc si...
le Circle Crop, c'était... c'était des, un Octorokt. Là, est-ce que ça serait pas la Wyvern? Je sais pas. Magnifique en tout cas. Hein. Que c'est beau. Voilà. Pas besoin de Teraflop quand on sait faire une bonne DA. Bon, après là, maintenant, si je peux donner un premier avis après une dizaine ou une quinzaine d'heures de jeu, c'est que c'est vrai quand même que ça ressemble beaucoup au premier épisode. 3-1 pour Séville, merde, Rakitic tire et but. Je suis déçu par contre, je trouve le ciel trop vide. Et ça dépend après, hein, quand tu auras beaucoup de nuages ou pas. Ah, tu aurais espéré plus d'îles flottantes en fait. C'est vrai, mais est-ce que c'est pas rattrapé par les souterrains? Je sais pas, parce que... Regardez, ça c'est pas le village Piaf là-bas, par hasard. Pour vous dire qu'on voit quand même qu'on voit quand même très très loin. C'est ouf quand même. Tu vois toutes les zones. Toutes les zones. Village Piaf ici. L'Egoron. Le village Zora, est-ce qu'on le voit? Le village Zora, on devrait le voir normalement. Le village Zora devrait se situer normalement ici. À 45 degrés sur la gauche. Vraiment, le village Zora, il est là, non? Bon, c'est certes, tu vois loin, mais c'est très 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 simplifié aussi. Que c'est beau. Balle de match, poteau! Oh là là! Les souterrains sont géniaux, c'est indéniable. C'est même là où je me suis le plus amusé. Honnêtement, le ciel, j'en garderai pas vraiment de bons souvenirs. Mais il n'y a pas grand-chose, hein. Faut dire ce qui est. Il n'y a pas grand-chose. Rien n'est fini pour la Roma. Ouh, attendez là. Le suspense est intense. Le suspense est intense. Donc du coup, s'ils marquent, ils reviennent à Execo. Et moi, pendant ce temps, je cherche le village des Auras. Normalement, il est là, hein. Est-ce qu'il n'est pas derrière la montagne? Ah, normalement, il est juste là. Hein. Si je fais un point ici. On va faire un point juste avant. Les 6 se sont utilisés? J'en efface un. Ah, je peux pas faire deux points sur une map que j'ai pas découverte. Séville, champion de Ligue Europa. Séville, c'est qui s'impose 4-1. T'as retiré. Comment ça a retiré? Justement, parce qu'il est vide. C'est un peu ça. Oh, c'est vrai que y a pas grand chose à faire dans les cieux. Hein. Plateforme et tout. Pas extraordinaire, hein, je suis le premier à le reconnaître. Si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup d'îles. Hein. Après, moi, je serais surpris d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Cette île cubique. Je suis surpris d'aller voir là-bas, cette île en spirale. Je serais étonné d'aller voir ce qu'il y a aussi ici. Certainement une arène tout en haut. Là, celle-là, en forme de lune. Les labyrinthes, par contre, c'est une tuerie. En plus, il y a les labyrinthes du sol, mais je suis sûr et certain qu'ils ont remis des labyrinthes en l'air. Je sais pas pourquoi je sens que le truc cubique là-bas, c'est un labyrinthe. Ah, j'en suis sûr que ce truc-là, c'est un labyrinthe. Je sais pas pourquoi je le sens. Voilà, Séville champion. Tu peux pas tester un GTA ou un Red Dead en monde ouvert. Les GTA, j'ai une petite idée là-dessus.
Red Dead, pour moi, il n'y a pas assez de rythme. J'aurais bien fait RDR 2, sachant qu'on avait fait RDR 1. On avait fait RDR Nightmare aussi. Undead Nightmare, je crois. Et c'est vrai que bah, je suis un grand fan des jeux Rockstar, mais malheureusement, le fait... Moi, j'aime bien faire les jeux qui sont doublés en français. Après, c'est long aussi les GTA à faire. Hein. Non, non, les GTA, Sentenza, moi, tu sais que je suis un grand fan. Hein. On s'est connus sur RDR, hein, d'ailleurs, hein, si je me trompe pas. Hein. Alors, c'est pas les mêmes mondes ouverts. Clairement, c'est magique. Zelda en open world et TOTK est beaucoup plus servi. Il y a juste le ciel de ville. Non, mais c'est un monde ouvert libre, hein, Zelda. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Mais je pense que pour pas être déçu de ce jeu, il faut vraiment faire des petites sessions de 1h30, 2h. Pas plus. J'ai cette impression-là. Parce qu'à chaque fois que je finis une session de 2h30, j'attends un peu et j'ai vraiment envie de revenir sur le jeu. Je me force pas. Alors, c'est... Ouais, non, mais après... Après, c'est vrai que c'est assez spécifique. Hein. Il y a le Assassin's Creed qui va sortir. On va voir. J'ai peur que ça soit la même... Que ce soit la même sauce que Valhalla. Hein. Là, au bout du troisième, Valhalla, ça commençait à faire beaucoup. Hein. Heureusement que Valhalla avait une histoire prenante avec des personnages marquants. Notamment la waifu de Dr. Nintendo. Ah, mais je me force pas à y jouer. Loin de là. Mais je veux pas me voiler la face sur les défauts. Ah oui, clairement. Je pense que ça atténue les défauts de faire des petites sessions, c'est tout. C'est ce que je disais. Aïvar! La waifu de Dr. Nintendo. Il nous reste quelques Assassin's Creed à faire. Notamment le 2. Au moins le 2. On avait fait le 1 et on va faire au moins le 2. Le 3, je suis pas sûr. Une petite étoile filante. Est-ce qu'elle est loin? Putain, on la voit exploser tout au sol. Des items rares, ça. On va sauvegarder. C'est le moment pour moi de vous remercier. M'avoir accompagné lors de ce live. Merci beaucoup, Saint-Enza. Merci beaucoup, Dr. Nintendo. Les Assassin's Creed créés, ils se ressemblent tous. Ah ben oui, hein. Meilleur perso, clairement. C'est pas faux. C'est pas faux. J'ai bien sauvegardé, rassurez-moi. J'ai sauvegardé. Écran titre. Messieurs, il est temps pour moi de vous remercier. Merci beaucoup, Dr. Nintendo. Merci beaucoup, Saint-Enza. Saint-Enza qui prend 200 points. 44 000 points, Saint-Enza, n'empêche. Hein. Lui qui disait au début « Ah, mais j'ai pas beaucoup de points, monsieur Saint-Enza, on a 44 000 maintenant. » Ce n'est pas rien. Sur le top, tu es combien au classement? Eh oui, c'est le 1, là, Dr. Nintendo, faut faire attention. Saint-Enza... Oh là là, Chef Puma, 9e. Hein. Et en même temps, il fait des gros slots, Chef. 111 000 points, Chef Puma. Non, il n'est pas dans le top 10. Il n'est pas dans le top 10. Ça ne serait tardé. Le Diable des Whammer, 74 000 points. Il te reste 30 000 points. Ça va arriver, Saint-Enza. Un jour, le top 10. Un jour, le top 10. Un grand merci à vous de m'avoir accompagné. Je vous souhaite une excellente nuit. Trouve normalement peut-être demain soir ou alors vendredi. Plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway.
vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Tu n'es pas seul, justement. Link. Tu es notre dernier espoir.